turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 13 de BLGM avec l'Avalanche du Colorado. Vous vous dites, what the fuck, les Flames de Calgary, c'était pas ça. L'équipe, c'était les Jets de Winnipeg. Eh bien, j'ai malheureusement perdu la première. J'avais enregistré la première ronde contre les Jets de Winnipeg. Tout a planté chez nous, donc j'ai perdu la première ronde. Plus, j'avais pas sauvegardé la dernière vidéo, donc l'épisode 12, donc où ce qu'on avait repris là. J'ai perdu ça aussi. Fait que il a fallu que je resimule et ça a bien été. On a réussi à aller en série pareil. Et on joue contre une autre équipe qui est les Flames de Calgary. Justement, on va aller voir les Flames de Calgary. Ils ressemblent à quoi comme équipe? 92, 94, 88. Donc ça va quand même bien. Dans les filets, je pense que c'est peut-être ça leur problème. Bon, on va voir. Donc, option, voir adversaire. Première ligne, Zach Parise, Hurdle et Wayne Train Simmons. Très bonne première ligne. Un fabricant de jeu, un franc-tireur et un attaquant polyvalent. Waouh, c'est vraiment bon. Deuxième trio, Wilson, Bonino et Smith. Aucun playmaker ou franc-tireur. Donc ça, c'est moins bon, mais c'est pas si pire. Prince, Dano et Eberg. Franc-tireur, polyvalent, franc-tireur. Ça peut scorer des goals. Molson, Hula et Layer. Donc ça aussi, ça va, c'est correct. Défensivement, Larson et Weber. Ils ont un excellent défenseur. Deux excellents défenseurs. Wilco Spurgeon, Weber et Morrow. Donc ils ont une excellente défensive, là, vraiment. Et dans les filets, c'est Halak et Mike Condon. On a Longvis, donc je pense que c'est vraiment dans les nets où qu'on va pouvoir les avoir. Sauf qu'ils ont chez Weber à Leaf, c'est ça. C'est très, très tough. On va réunir l'équipe immédiatement. C'est un exploit fabuleux, bravo. Parfait, donc, jouer le match, on le simule, c'est parti, là. Come on les boys. Première période, 2-1, Dano et Parise, Henderson qui a marqué. Deuxième période, 3-2, Lear, sur le quatrième trio, et Tyler Johnson. Come on les boys, c'est quand même un match offensif, là. On a seulement que 18 tirs, là. Il faut tirer plus au net si on veut le déjouer, Yaroslav Halak, là. Come on les boys, 3-2, là, ça serait le fun au Colorado, aller chercher les deux premières, mais Prince qui dit non, Marison, oh, attendez, Marison qui score, c'est 4-3, c'est pas duel de goalie, pas en tout, le Longvis, faut que tu sois meilleur que ça, Mason Raymond, 4-4, that's it Mason, et on ira en overtime, qui va être le héros en prolongation, piqué, fuck off, Adam Larson qui gâche la fête au Colorado et qui marque le but de la victoire en prolongation. Donc, les gagnants de la saison là, perdent 1-0 dans la série contre les derniers. Donc, on ne réunit pas l'équipe, ça ne servait absolument à rien. On le fait juste y aller. Jouez votre match, là. C'est sûr, ça va bien aller. Première période, 1-0. Wayne Simmons, come on. Encore une fois, on tire de l'arrière dans les tirs. Deuxième période, Shea Weber, Tyler Johnson. Encore une fois, Tyler Johnson en deuxième période. Mais là, on est revenu dans les tirs. Faut encore jouer du hockey de rattrapage, mais j'ai confiance. On a montré qu'on était capable de scorer des goals contre Halak. C'est le temps de le prouver encore une fois. Il reste 8 minutes. Let's go, là. Come on. Ça prend un tir. Oh, powerplay. Come on. Fuck, et c'est la fin. Powerplay encore, et voilà. 35 tirs, mais Halak a carrément volé le match cette fois-ci. Et l'Avalanche Colorado tire de l'arrière par 2 matchs dans cette série. Et on s'en va à Calgary, à l'extérieur, ça sera pas facile. La première période, 0-0, 16-5, les tirs, on se fait dominer. Là. Come on! Deuxième période, 2-0, Michael Dackal et Jesper Henderson, good job, 2-0. Longvis, c'est ta game. C'est la tienne. Let's go, t'as 2 buts d'avance. D'habitude, 2 buts d'avance, ça va très très bien. En plus, les 10 minutes est passé, donc let's go Longvis. Il nous mène dans les tirs, mais Longvis, Halak en a volé une, t'es capable d'en voler une toi aussi. C'est sûr et certain, là. Come on. 1-50, et c'est, ben oui, on l'a. Jeu blanc pour Henrik Longvis. 35 arrêts, Dackal et Henderson ont été deux personnages importants pour cette victoire. Et Avalanche Colorado est de retour dans la série, là. Si on gagne ça, tout est possible. Si on perd ça, ça va être plus tough. Là. Let's go, c'est un match très important. Première période, 0-0-19. Enfin, on mène des tirs. Deuxième période, Nick Bonino qui marque sur Henrik Longvis.
Et mine de rien, là, c'est 1-0 Calgary. C'est 2-0 Calgary. Hurdle qui marque. 13 minutes. Et là, ça va être tough. 2-0, le Commandala qui est pas invincible. Oh my god. À part le premier match, on a de la misère de scorer contre Halak. Austin Matthews, je sais pas ce que tu fais, mais tu fais absolument rien. Et c'est un jeu blanc pour Jaroslav Halak qui dit à Longvis qu'il est capable aussi d'en faire des jeux blancs. Mais là, c'est 3-1 la série. Ça va vraiment pas très bien et je vais faire des changements. À 3-1 la série, il faut que je fasse des changements de ligne. Et Austin Matthews, tu vas descendre. C'est pas mal tout ce que je peux faire, là. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. Come on, là. Jouer match suivant. Come on, let's go! On a fait un changement à Johnson qui va quand même assez bien depuis le début des playoffs et Matthews qui fait rien. Première période, 0-0. Deuxième période, Nikita Kucherov et Zach Parise. Come on, les boys, on peut pas se faire sortir en 5 quand on a gagné la saison, là. En saison régulière, on a fini premier, on peut pas piquer. Good job, piqué. Piqué encore, qui fait des deux? Come on, ref! 30. 29-22 les tirs, come on, on les domine là. C'est une domination là. Faut scorer. Non! Nick Bonino, t'es une pute! Fuck off! Non! Oh! Et l'Avalanche Colorado qui est éliminé en 5 contre les Flames de Calgary. Oh là 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 là. Quelle piètre performance de l'Avalanche. C'était dégueulasse là. Aïe aïe, Hampus Lindholm. Aïe aïe, c'est une déception. Je pense que la pire échange que j'ai faite de toutes mes GM, c'est dégueulasse. Hampus Lindholm, là, calvaire. À ce petit joueur de merde, il a rien fait. Mais les Rays, aïe aïe. San Antonio, par exemple, là, qui sont un peu trop forts là, pour la Ligue à date. Pas perdu un match, là. What the fuck? Oh, ok. Oh, ok. Oh. 11-2, là. Le club école qui va très très bien par exemple joue contre le LVP. Victoire, victoire, défaite, victoire. Et Vical Val San Antonio qui vient de détruire les playoffs dans le club école qui ont remporté la Coupe Calder. C'est au moins ça. Les Vancouver, les Canucks de Vancouver qui ont remporté la Coupe cette année. Félicitations à eux. Colorado a eu une bonne saison. Ça ressemble aux Blackhawks. Bonne saison, mais en série, ça choke. Mais je pense que Longvis. C'est pas de sa faute, mais je sais pas. Je sais pas, je pensais qu'on avait une pas pire équipe. Ça a l'air qu'encore une fois en playoff, c'était pas assez. Donc, QG des stats. Stats des joueurs en playoff, qui a bien fait dans cette seule ronde. Ederson, 4 points en 5 matchs, lui, il a bien fait. Ça a été notre meilleur pointeur. Fleischmann, Dacol. Matthews, 1 point. Qui a pas de points, là? Kouchet. Klingberg a pas de points, Provorov a pas de points, Morrissey, Ovechkin! Ovechkin a pas un fucking point! Tabarnak, gros, tu choke en playoff, c'est cave! Longvis qui est maintenant 86, bah, c'est pas vraiment de sa faute là, Longvis. Récompense! Trophée des présidents à Colorado, mais ça a rien changé. Coupe Stanley, Vancouver, bravo! Hartrust, Ovechkin, Hart, Ovechkin, James Norris, Klingberg, Kane, Lady Bing, Calder, Point, Connie Smythe, Rask, Vezina, Rinne, M. Jennings, Rinne, Masterton, Giordano, Selke, Taves, Ted Lindsay, Ovechkin et Maurice Richard Ovechkin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 trophées pour les joueurs de l'Avalanche Colorado qui. On avait, je pense qu'on avait le meilleur équipe. Donc, sur cette déception, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!